dans l'escalier de la vie, chaque marche est une réussite et chaque chute est une leçon. Un peu pour dire, je ne perds jamais, je gagne. Aujourd'hui, certainement, ça n'a pas marché. Mais demain, qui sait, ça pourra mieux marcher. Donc, ça ne sert à rien de te dire qu'il faille absolument laisser tomber. Non. Dès la tragédie naît la grandeur. Aujourd'hui, tu as cravaché, tu as donné le meilleur de toi-même, sans plus, sans résultat. Mais demain, qui sait, après tous ces efforts, si tu réussis de recommencer, tu auras déjà des arguments, tu auras déjà des astuces pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc, ce que je veux te dire ce matin ou ce soir pour certains, c'est que n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Peut-être que tu es au bout du tunnel. Peut-être que tu as deux doigts de toucher ton objectif. Ce n'est pas la peine de laisser tomber. Je pense à toutes ces personnes qui se sont battues corps et âme pour atteindre certains objectifs qui n'ont pas fleuri en un pif, hein, qui a pris le temps que ça a pris, mais ça finit par marcher. Donc, n'abandonne jamais. N'abandonne surtout jamais. Malgré tous les malgrés, malgré toutes les cracasseries que tu peux rencontrer sur ton chemin, c'est toujours une école, hein. C'est toujours, je vais dire, l'école de la vie. C'est toujours une façon pour toi d'avoir des armes pour pouvoir atteindre ton objectif demain. Donc, n'abandonne pas. C'est ce que je veux te dire. Si tu veux